Qu'est-ce qu'il transporte? À ton avis, c'est quoi? Une canne à pêche. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Une canne à pêche? Non. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? C'est bizarre. Non, c'est bizarre. Dites, qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? 11 kilos de matériel de projection. Un projecteur, un ordinateur, des enceintes, des câbles et un écran de 2,20 m sur 1,15 m et un système ingénieux pour le faire tenir en toutes circonstances. On est monté, on a descendu, monté, descendu. Henriette capote. Jusqu'où allez-vous? Jusqu'à la mer. La Méditerranée. Et le berger, il s'appelait Benjamin, et il nous a invités à partager son repas dans sa cabane. On est là. Et lui, il dit carré droit. C'est jouable. Un soir, j'ai vu se former les nuages. J'ai vu les montagnes se soulever et se transformer en nuages. Il y a 3 ans, nous traversions les Alpes en famille, 3 mois de marche, en partie sur la Via Alpina. Et au retour, une envie, celle de partager ce vécu. J'en ai fait un film, 12 pattes et 5 sacs à dos. Et on s'est dit que le meilleur endroit pour le montrer serait sans doute sur les chemins où on avait marché. Et de là est né le projet un peu fou d'emmener le film dans le sac à dos et de le projeter à l'étape, le soir, marcher la journée, s'arrêter dans un refuge, un gîte, un camping, et projeter le film devant les randonneurs et devant les gens du pays. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut montrer aux gens, enfin qui va bien avec le refuge. Mon vécu à moi, moi j'ai toujours voulu partir comme ça, comme vous l'avez fait longtemps, l'histoire de couper, la vie fait que quelquefois on peut pas le faire, voilà. Mais c'est que partie remise. Donc moi je l'ai fait un tout petit peu pendant 3 semaines, je suis parti, c'est à mon humble niveau, quoi. Mais j'ai ressenti ça, ce qu'on parlait un petit peu hier soir, c'est-à-dire le fait de couper, le fait de rentrer dans un processus de marche à long terme. Et ça, c'est ça qui m'a. Tout ça m'a séduit, voilà. C'est de plus en plus difficile de motiver les jeunes, c'est de plus en plus. Et maintenant, on veut une consommation tout de suite, donc ça va être du raft, ça va être de la via ferrata, ça va être des activités qui sont sympas, mais qui sont la consommation rapide, du plaisir rapide. Et l'effort de monter en montagne, etc., n'est plus vraiment là. Je le vois bien, ici, la population qui vient au refuge, elle est plutôt âgée, quoi, hein, la moyenne. Hein. Que là, on a des annulations au dernier moment parce qu'on nous dit « Ah ben, ils annoncent des orages », alors que oui, c'est normal, il y a des orages en montagne, voilà, faut pas être sur les cols, faut pas être sur les sommets, mais sinon, il n'y a pas plus de danger, là, ici, au refuge, que en bas dans la vallée, quoi.
enfin je suis gardien de camping hein, pour préciser, pas de refuge, c'est de faire partager un lieu que j'aime avec des gens. Et sur le camping, c'est vraiment intéressant parce qu'on a des familles avec des petits, on les envoie voir des choses faciles d'accès, etc. Et puis après, il y a des choses. Il y a de la vraie montagne qui commence juste à proximité, de pouvoir guider les gens. C'est un plaisir que j'ai. Puis aussi parce que c'est un plaisir que quand moi je vadrouille, j'aime recevoir ce genre de choses. Et bien, c'est pour ça que c'est avant tout la transmission pour moi. Puis le plaisir après de les revoir quand ils reviennent le soir ou 3 jours plus tard, ils disent vraiment plein de gratitude pour les conseils, etc. Alors que bon, dans le fond, on n'a pas fait grand chose, hein. Les montagnes elles sont là, c'est pas nous qui les avons posées, on a juste mis le pied avant eux, on a su leur dire bah, il y a là-bas. Tous les soirs, j'arrive ici avec la même montagne à m'émouvoir encore et encore parce que les lumières ne sont jamais les mêmes et on arrive toujours à avoir une lumière différente parce qu'il n'y a pas la même quantité de neige en haut, parce qu'il n'y a pas les mêmes nuages. Il y a plein de choses qui font que en fait, l'identique n'existe pas. Quoi. Merci à vous, merci pour votre projection, c'était super. Merci d'avoir fait partager ce genre de choses aussi avec mes campeurs. Peut-être ça contribue justement dans ce qu'on disait sur passer ce que c'est que la montagne. Quoi. C'est beau, mais c'est long, c'est grand, c'est beaucoup plus fort que ça nous domine de loin. Je crois que pas tout le monde comprend qu'est-ce que ça veut dire profiter de la montagne pour se déconnecter de la disintossicare, on dit en italien, pour se enlever les toxines de la ville. Et vous, avec votre expérience, je crois que vous faites vivre justement ce fait de se déconnecter un peu. Et voilà, donc c'est bien de diffuser ce message, parce que je crois que la société d'aujourd'hui en a besoin de se détacher un peu de, comme tu disais dans le film, du commerce, du matériel, de la consommation. Voilà. On n'a jamais fait des gros voyages comme le vôtre, et ça nous a donné envie de faire des choses en famille, ce que vous avez fait, c'est trop beau. Ah ouais. La projection de votre film nous a amené ce midi même à parler de votre expérience. On a questionné nos enfants qui ont assisté à la projection pour leur dire est-ce que vous, ça vous plairait ça ? Les gens ne sont pas forcément très enclins à l'effort, à une certaine abnégation. Hier, on a eu une journée de pluie entière, ce matin encore. Et bien, les gens qui étaient en itinérant, ils ont marché sous la pluie et ce n'est pas les moments les plus agréables. Par contre, je pense aussi que les jeunes sont malheureusement pas tellement attirés par la randonnée. Et on voit que ceux qui viennent, en général, ne sont pas déçus. Alors, la difficulté, c'est bien de les faire venir à la randonnée plutôt que de les satisfaire par la randonnée, parce que ceux qui randonnent, en général, sont contents de leur séjour. Par contre, on a mis vraiment en place Rennes le poster de l'itinéraire de la Via Alpina, et on se rend compte que ça fait énormément rêver les gens et que ça fournit un support en pouvant dire aux gens, mais la Via Alpina, effectivement, c'est 180 ou à peu près 180 étapes. Vous n'êtes pas obligé de faire 180 étapes. Vous pouvez aussi faire 180 étapes en 15 ans. Et donc, il y a tout un tas de moyens d'utiliser le support Via Alpina. Et vous pouvez aussi faire 5 étapes de la Via Alpina. C'est quand même un itinéraire qui a été conçu pour traverser les coins les plus caractéristiques, les plus attirants des Alpes. Et donc, et ben, à vous de choisir en fonction de
ce qui est votre sensibilité, les coins les plus adaptés, et vous pouvez très bien faire 5 jours de vialpina. Et vous aurez déjà marché sur la vialpina. Oui.